Avant propos, cette chanson traite d'une autre chanson du groupe PNL qui s'appelle Onizuka. L'auteur de cette chanson n'a rien en particulier contre les gars de PNL et nous vous invitons à aller écouter Onizuka. Si vous ne connaissez pas encore cette chanson, enfin quoique 22 millions de vues, ça m'étonnerait que vous ne la connaissiez pas déjà. Et pour ceux qui auraient envie de se rendre compte en deux extraits de quoi il s'agit, je peux par exemple vous faire écouter ceci. Ils vendent leur cul, leur mère. Ou cela. Comme Yakuza, comme j'étais haut. Il pleut des balles à la météo. Voilà, maintenant que ces deux points ont été mis au clair, bonne écoute. Et le lien pour la chanson sans cet avant-propos est disponible dans la description. J'ai pris mon bloc-notes sans parole esthétique. Je dépeins mon petit monde en couleur acrylique. Comment faire ce qu'on aime quand les autres écoutent pas? D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils aiment? Attends, Onizuka. Qu'est-ce que c'est que cette façon d'auto-tune et sa voix qui se fait depuis 10 piges? Non, mais qu'est-ce que j'écoute? Le mec parle en français, mais est-ce que quelqu'un pige? J'avoue, je regarde de loin les tendances, on pourrait dire que ça la fout mal. Mais si le hip-hop se résume à une instru planante, je ne trouve plus ça normal. Du coup, est-ce qu'il suffit que j'écrive n'importe quoi du moment que c'est potable? Que j'ajoute du vocodeur, que j'allonge la fin de mes phrases pour que ce soit écoutable? Est-ce qu'on a cherché à rendre mainstream à fond la parole ou sans voix? Est-ce que la forme des formes le font au point qu'il n'y ait plus de rap dans tout ça? Je me demande si on pète pas un câble. Je dis pas que le son est naze, mais y'a genre plus de paroles en fait. Est-ce que ça vaut pas plus le coup de kiffer l'instru, retirer le texte avant que nos cerveaux se... Non, je ne suis pas d'accord pour admettre que c'est ce que les gens veulent. Pourquoi je me ferais chier à m'arracher à écrire? Trap hardcore cloud rap drill. Je crois que le rap se sent seul. Personne pour s'indigner. Personne pour le dire. Donc je ne suis pas d'accord pour admettre que c'est ce que les gens veulent. Pourquoi je me ferais chier à m'arracher à écrire? Trap hardcore cloud rap drill. Je crois que le rap se sent seul. Personne pour m'expliquer ce feeling presque impossible à décrire. On a perdu l'artistique au profit d'un grand malaise. Je ne vois plus que des statistiques, des diagrammes, tout ce qui pèse. L'abaissement constant d'un peuple qui a plus envie de réfléchir. Plus personne prend son temps, tant t'es fatigué de courir. Fais confiance à la prod. T'inquiète, ça passe tout seul. Puis pourquoi se prendre la tête quand t'en prends plein la gueule? Je me demande souvent combien de temps ça leur prend d'écrire. Ça fait longtemps que je m'en plains, que j'en ai plein le dos. Ce feeling impossible à te décrire. Est-ce le reflet d'une époque ou une simple évolution? Pour un taf à demi-fait, les vues se comptent en millions. Bordel, est-ce qu'on se rend compte que le but c'est de pas être passif devant le son? Besoin de réfléchir, de savoir ce que veulent dire ces mots. Quand je reste seul à écouter ma station, aligne les dollars, fais grimper l'audimat. Que des mecs en costard pour une bande de primates qui s'en soucient encore. Je crois qu'on est quand même plein. Après l'hiver docile, y aura-t-il alors un printemps européen? Hibernation des esprits, une liberté on-off, un détour sur la route d'une vie citerne qu'elle aurait besoin d'un spin-off. Une pensée, un ennui, un élan. Comment rester maître de soi? Un constat, un dégoût, je comprends pas vraiment. Onizuka. Non, je ne suis pas d'accord pour admettre que c'est ce que les gens veulent. Pourquoi je me ferais chier à m'arracher à écrire? Trap hardcore cloud rap drill. Je crois que le rap se sent seul. Personne pour s'indigner. Personne pour le dire. Non, je ne suis pas d'accord pour admettre que c'est ce que les gens veulent. Je ne suis pas d'accord pour admettre que c'est ce que les gens veulent.